Et salut les zouzous, et c'est Pouk, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. On se retrouve ici pour un nouvel épisode de The Challenge Crafté. Oui, ça fait très très longtemps que il n'y a pas eu d'épisode sur la chaîne parce que j'avais eu des problèmes dus aux mises à jour de Minecraft avec un problème de launcher avec la version de Forge 1.6.4 qui ne voulait plus fonctionner. Donc, au dernier épisode, on a fait cette petite machine à araignée ainsi qu'à. Enfin, ce petit spawner à araignée ainsi qu'à slime. Donc ce n'est pas très optimisé, mais pour cela nous allons rajouter des petits blocs. Oh, mince. Je voulais rajouter des petits blocs ici en fait. Je baisse un peu la musique, option. Attendez, deux secondes. Musique, effet sonore, musique. Voilà. Donc ouais, tant pis, ce n'est pas très optimisé, mais voilà, on a récupéré des slime balls et des fils. Enfin, pas assez de fils pour le moment, mais je vais en farmer quelques-unes et je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve, j'ai récupéré 10 fils, donc ça me paraît assez bien. Du coup, maintenant les vidéos vont moins bugger sur The Challenge Craft, dû à cette réinstallation. Du moins, je l'espère. Je suis super content de reprendre cette série. Je suis désolé de ne pas en avoir fait pendant un bout de temps, mais à cause des problèmes que je n'avais pas réglés, il n'y en avait pas tout simplement. Et je vous ai proposé les anges dimensionnels avec Franky Key. Série dont j'ai peut-être fait de la promotion dans plusieurs séries. Comme par exemple, je sais que j'avais fait la promotion dans un Skyward, cette série, mais franchement, une très bonne série modée si vous aimez les modes. À aller voir en multijoueur puisque tout simplement c'est une bonne série en multijoueur. Voilà, j'ai rajouté un spawn point là bas aussi. Oh, wow. Et j'ai réglé ma difficulté en normal parce que j'étais en paisible pendant la petite ellipse. Donc allons-y les amis, let's go. Ça lag un peu, je sais pas pourquoi. Ça doit être dû au chargement de la map, voilà. La map charge. Je vais faire un petit truc aussi. Option graphique. Rendeur distance. Pourtant, je suis en normal, mais je vais mettre en comme ça. Écoutez, parce que ça lag un peu dû à la génération du terrain. Bon, je suis à 30 fps. C'est des petits lags comme ça. Ouais, en fait, je génère du terrain au lieu de retourner vers ma maison. C'est pas logique. Du coup, la maison, elle a 400 blocs. On va retourner à la maison. Je sais pas pourquoi ça lag. D'ailleurs, je parlais que ça allait moins laguer. Là j'ai gros, je suis à 3 fps, c'est quoi le délire? What? Là les fps remontent. Ah écoutez, une courte ellipse, je relance le jeu et on se retrouve tout de suite. Bon, j'espère que ça va pas tout le temps me faire ça, là je suis là, donc l'enclos, hop hop. Hop 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 et hop, voilà, petit enclos comme ça. On pose le spawner à l'intérieur. Et c'est parti, ça devrait spawner, donc voilà, ça spawn, c'est parfait. Donc là on peut avoir du cuir à l'infini et là-bas des poulets à l'infini. Ce qui va nous servir pour pouvoir faire l'Ender Dragon. Pourquoi il n'y a qu'un... Je vais vous tuer à la main et vous spawnez un parent, ça se pose, c'est quoi le délire? Il n'y a qu'une poule qui a spawn, et là il n'y a qu'une vache qui a spawn. Et là est-ce que ça respawn ou quoi? Ouais non, ça va pas respawn. Alors, est-ce que ça manquerait d'espace? J'en ai aucune idée. C'est franchement très bizarre. Ça a pas l'air de très bien fonctionner en fait ces spawners. Non. Je sais pas quel est le problème en fait. Peut-être parce que je suis pas en biome plaine. Et que je suis en biome forest. Non, ça respawn quand même. Ouais, regardez, ça spawn. Bah, écoutez, on va laisser comme ça, hein, ça spawn quand ça voudra. Ça spawn pas non plus. C'est franchement très très étrange. Ah, ça spawn, ok, ça doit avoir un certain temps de spawn. Je suis en biome quoi là? Là, je suis en biome forest aussi. Écoutez, on va les laisser comme ça, hein, c'est pas grave, écoutez. Ça se prendra quand ça voudra. Ah bah voilà, en fait, il suffit d'être là.
Allez, ça spawn 3 vaches d'un coup, c'est bon, ça marche. C'est juste un peu long en spawn en fait, j'ai l'impression. Donc là, si je fais genre. J'ai AFK en fait, il suffit juste que j'ai AFK un certain temps et. Je sais pas, ça peut rien de trop marcher sur la poulie. Quand tu as vache, marche un peu mieux. Bref. Au pire, sur la poulie, je vais des graines, on verra. Tu vas me pondre des beaux petits. What? Tu vas me pondre des beaux petits œufs. Voilà, bah, écoutez, ça avait l'air de fonctionner à peu près. Ça fonctionne quand ça veut, ça laisse un certain temps de spawn. Donc je sais pas trop quoi maintenant d'épisode, mais je vais continuer tout simplement. Je vais aller voir ça. Allez, à tout de suite. Ok, donc il nous reste un peu de temps. On va aller faire un point niveau ressources aussi. J'ai plus beaucoup de fer. Enfin, j'ai reminé du fer hors caméra. Enfin, non, faut pire, c'est juste qu'à envoyer les minions en fait. Mais j'ai plus mon bâton en fait. Le mode avait bugué, je crois, et du coup, il faut pas que je le réinstalle. Moi j'irai miner manuellement. Ce n'est pas trop un souci. Alors ici, est-ce qu'on peut faire cuire des choses? Non. Bon, écoutez, on va essayer de crafter la. Je crois qu'il y a une. Oh là, il y a une gazinière dans. Dans Bibliocraft. At Biblio. Attends, Biblio. Non. Non, comme ça pourrait s'appeler, bah pas gazinière, non, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, on va chercher manuellement au pire. Où est-ce qu'elle est? Puis au pire, pour avoir du fer à l'infini, on sera un iron golem spawner si ça marche à peu près bien. Pas comme les spawners animaux. Je suis en train de réfléchir. Et ça marchait mieux quand même les spawners à Anya Slime, donc je sais pas trop pourquoi, ça doit être la condition du biome, je pense. Donc, je cherche dans Bibliocraft, voilà. J'ai Bibliocraft et Crayfish Fourniture, donc. Voilà, Oven. Ça coûte très très cher. J'aurai jamais assez de fer pour pouvoir faire ça. Donc, on va prendre tout simplement. À la bien, on va prendre du charbon. J'ai de l'obsidienne, j'ai des blocs de charbon carrément. Donc, et là je commence à avoir des lags. Je ne comprends pas trop les lags. Je vais relancer le record. Un problème de Java peut-être en fait les lags. Donc là on a fait tout cuire. Bon bah écoutez, on va reboucher ça ici. Ou j'irai miner par là au pire. Au pire, dans le pire des cas, voilà, il y a du fer ici. Ah, j'ai des petits bugs. Hein. Oh, tu m'as une fois sur deux le squelette. C'est bizarre. On va récupérer tout le fer ici. J'ai des bugs là de souris. What the fuck? C'est pas ma journée aujourd'hui, j'aurais peut-être pas du record, mais bon, tant pis. Voilà. Il n'y a pas de fer. Par là, il y a du fer. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, mais moi j'y vois quelque chose, c'est le principal. Puis je suis revenu ici, c'est un gros guerre le truc en fait. Grosse grotte ici. Rip l'araignée.
Téléphone, ok. Ok, donc le téléphone s'est passé. Bon. Très très grosse grotte par là. Donc, on a un peu de fer tranquille là. Et tout simplement, on va se laisser pour cet épisode. Et j'irai miner du fer à la bien de mon côté. En espérant ne pas mourir, tout simplement. Hop. Donc, mettez un like, un commentaire, partagez la vidéo. Je vous remercie. Allez, ciao et zouzou. Ok, donc mes FPS sont revenus. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais même pas du tout en fait ce qui s'est passé. Désolé pour ces petits lags. Donc aujourd'hui on va retourner à la maison et attends, je peux courir, voilà. Et on va se faire des spawners à nourriture du style les poulets pour le poulailler, du style un spawner à vache et à cochon accessoirement. Ça va pour remplir l'objectif, crafter tous les spawners et aussi bah, pour avoir de la nourriture à l'infini, voyons. Donc c'est parti, on retourne à la maison. 200 petits blocs. Ce qui est d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. Ah oui, j'ai pas le bon skin aussi. J'ai le skin d'une série à venir. Donc je vais pas trop vous spoil en mettant F5 ou en retirant mon armure. De toute façon, ouais. De toute façon voilà. Vous avez vu le skin. Donc voilà. Petite série qui va venir sur la chaîne. Donc je n'en dis pas plus. En tout cas, comme on va reprendre le rythme normalement, en plus de tous les mercredis des anges dimensionnels, on va reprendre le rythme de The Challenge Craft. Et il y aura la série qui va un peu. L'autre série que je vous ai montré, qui va venir. Enfin, je vous ai montré le skin, qui va venir. Qui va un peu changer la diffusion. La diffusion des programmes, tout simplement. Parce qu'il y aura plusieurs épisodes la semaine. Donc la chaîne sera très comblée à un moment, mais ça devrait passer d'ici pendant 2 à 3 semaines et après on prendra un rythme normal avec avec 2 épisodes par semaine, donc un épisode de Challenge Craft et un épisode tout simplement des anges dimensionnels. Voilà, ça fait du bien de revoir cette maison, voilà, petite maison au swag cosy. Donc voilà, enfin, à la façon vous voyez mon skin, ce swag d'ailleurs. Donc aujourd'hui ici on va mettre des poules. Allez, c'est parti pour le poulailler. Donc le craft du spawner à poulailler, c'est comment le guide. Voilà le guide, cet item, corde, avec ça on peut faire des spawners corps. Et ce qui fait avec ça des barreaux de fer et qui c'est un poulet. Donc pour faire le spawner à poulet, il faut ça. Attendez, comment on fait? Ok, donc il faut un truc comme ça. Donc pour crafter ça, il faut une laisse qui se craft, 4 fils et une boule de slime, tout simplement. Donc c'est parti. J'ai beaucoup de slime ball du coup. Attendez, je me suis fail dans le craft. Voilà, on va en faire plusieurs. Hop, hop. Tac. Ça va toujours servir par la suite. Normalement, hop, et hop, on n'a plus de fil de toute façon pour aller refarmer hors caméra ou avec vous tout simplement. Donc on a des laisses, avec les laisses on prend de la pierre sculptée, ce qui se fait avec chisel. Donc le chisel il est ici, qui se fait tout simplement d'une manière très très bête. La pierre sculptée, c'est de la stone je crois. Ouais, il n'y en a pas ici, donc ça va être de la stone. Je vais regarder dans ce coffre vite fait. Ça c'est des minerais, on va aller voir en bas. Normalement en bas j'ai un peu de stone. Faudra que j'aménage cette salle aussi très vite. Donc de la stone, voilà, il y en a ici, ça c'est parfait. Donc de la pierre sculptée qui se fait tout simplement comme ça. Oh, j'en ai encore ici, c'est bête.
de ma part, donc de la pierre sculptée on en prend. Ensuite, voilà, ensuite il faut du fer, du fer, du fer, c'est en haut que ça se passe. Et je pense que prochain épisode on aménagera cette salle. Donc voilà, du fer. Ouais, j'ai fait quoi? Du fer, hop. Ensuite il faut faire ça comme ça. Au pire si je fais... pire si je fais... Je peux pas. Donc 1, 2, 3, 4. Des spawners corps, j'en faire plusieurs, écoutez. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, hop. J'ai pas assez, je peux en faire que deux, c'est pas grave, on va en faire que deux pour le moment. Ensuite, on prend du fer avec lesquels on fait des barreaux, hop, tac, tac, tac. Tac, on a un mob spawner, hop. Hop, on a calculé pile poil assez. On fait un spawner à chicken et on va faire un spawner à vache, tout simplement. Un spawner à cow. Donc on va poser le spawner à chicken juste ici. Il y a des zombies, il suit plus, c'est cool. Non, pas vache, le spawner à poulet, je veux dire, là. Et voilà, on a des poules. Et pour les vaches, accessoirement, on peut faire un enclos quelque part. Ce qu'on va faire de suite. Avec du bois qu'on va aller récupérer en bas. De la cobble, je prends la masse de cobble. Donc, on a pas masse de cobble. On va crafter des barrières. Oh, je fais une table à café sans le vouloir. Okay, on a 42 barrières en normal. De toute façon, ça va nous servir parce que ici j'avais des petites idées de faire un déco un peu japonais. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Okay, salut madame l'araignée. SLT. Il pleut, mais il fait pas nuit. Hein. Encore des chutes de FPS. C'est bizarre. Hein. C'est très très bizarre. J'ai des petites chutes de FPS. Voilà, là ça revient. Là, je regarde le ciel, ça revient. C'est quoi, il pleut, je crois. Ouais, peut-être on va faire un wither clear au pire. Pour être sûr que c'est pas à cause de ça que ça bug. Non, c'est quand je peux pvp les araignées. C'est franchement bizarre. Côté, on va faire un décor quoi tout de suite. Que voilà, mes FPS sont revenus, donc je sais pas ce qui se passe en fait, donc si vous avez une idée pourquoi ça fait ça, bah dites-moi le tout simplement. Là j'ai reçu à 30 FPS, donc on va s'installer notre petite vache, on va les installer, je ne sais pas, ici, par là. Là, 1, 2. En faire un enclos du style, hop, un truc assez grand quand même, un enclos un peu badass. Que j'ai une pelle là-dedans. Moi ouais, j'ai une pelle ici à moitié usée. Ça peut toujours servir. Et je me sers pas de la pelle évidemment. What the fuck. Hop. 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 Il y a un petit lag là encore. Ouais, c'est vraiment bizarre ces lags. C'est franchement très très bizarre. Dû à la place que j'ai mes disques durs qui restent pas beaucoup de place, comme on a tourné la petite série là. Bah donc je